Ça a été attribué à mon grand-père paternel, Malou Kouyaté. Je suis né dedans et j'ai baigné dedans, quoi. C'est un héritage pour moi. J'avais commencé à jouer à peine, j'avais 4 ans. J'ai tiré sur les cordes de mon grand-père maternel. J'ai tiré sur les cordes, j'ai pété les cordes. Et comme tous les enfants, c'est comme ça, on s'est initié. Et puis le papa nous amenait partout. Quand il partait jouer, il nous amenait. Et quand il discutait avec ses potes, il prenait la kora, comme ça, il nous donnait. Pour qu'on joue et la maman chantait à côté. C'est comme ça qu'on a commencé. Fermé des heures. Tout ça pour développer l'univers de la kora. Puis le jour que j'ai réussi à faire le reggae, des trucs de dingue, je me suis dit waouh, la patience est un chemin d'or. I'm gonna sleep.
I'm gonna go to the corner, I'm gonna go to the corner, I'm gonna go to the corner.
kasi fama denke de gana kasi yeah de gana kasi kon koto koro la kasi mani gana kasi de. J'ai une chanson qui dit ne pleure pas. C'est une chanson traditionnelle, vraiment ancienne. Tu peux chanter cette chanson pour tous les SDF, cette chanson. Parce que ça parle un peu de mec qui galère. On le dit ne pleure pas. Parce que c'est pas la fin. Tant que tu meurs pas, c'est pas la fin. Tant qu'on vit, on peut espérer. Il a 21 cordes, 7 cordes pour le présent, 7 cordes pour le passé et 7 cordes pour le futur aussi. Elle est constituée de 3 matériels à la base. Les 3 matériels là représentaient la parole des morts parce que c'est 3 éléments qui vivaient. Le bois et la peau, c'est la peau d'une vache. Et la galba, c'est un fruit qui vient de la terre. C'est pour cela qu'on dit que la kora parle la parole des morts et c'est le seul instrument d'abord à la base qui est rentré dans la mosquée. Badé, ça veut dire la plage. Parce que là où je m'entraînais souvent, je partais m'inspirer pour faire de la musique. Il y a un grand arbre baobab qui est là-bas. C'est là où tout le monde se réfugie. Au Badé Kondébili, j'ai dit, nous sommes les baobabs de cette plage. Alors on a le droit de s'exprimer comme on veut. Et puis en même temps, j'attaque aussi un peu le gouvernement, quoi. J'ai dit, le jour se lève. On ne voit rien, tout part en fumée. On n'a pas d'électricité, nous le courant. Alors nous, les baobabs de la plage, on attaque.